La radiodiffusion télévision française vous présente le radio-magazine du soir. Qui dois-je annoncer, monsieur ? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, Edith au coup de cygne. Bonsoir mes chers amis. Un certain après-midi de 1911, un fiacre s'arrêta devant un somptueux hôtel particulier qui faisait l'angle de la rue de la Faisanderie et de la rue du Fresnoy. C'était la demeure d'un riche collectionneur péruvien, le colonel Carlos Sparmiento. Un monsieur descendit du fiacre, sonna et se fit annoncer au maître de maison qui prenait le café avec sa femme. Bonjour, mon colonel. Bonjour, monsieur Verrier. C'était plaisant, monsieur Verrier, directeur de la compagnie d'assurance La Protection. Ma femme... Mes hommages, madame. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Alors, auriez-vous des nouvelles de ma tapisserie? Oui, mon colonel. Ah. La police l'a retrouvée. Oh, mon Dieu. J'ai voulu être le premier à vous annoncer la bonne nouvelle. Mais comment a-t-on pu remettre le main dessus? Moi, j'en suis resté à mes tous tapisseries expédiées de presse par chemin de fer, l'employé de la gare de Chartres voyant la porte du wagon brisée et constatant le vol. Je continue d'ailleurs à me demander pourquoi on a volé une seule de ces tapisseries et non les tous, voyez. Je me le demande aussi. Toujours est-il que la police a examiné le wagon avec beaucoup de soin et elle n'a pu relever aucun indice. Ma compagnie a offert une forte prime et en fin de compte, c'est un employé des postes qui a découvert la bonne piste. Ah. Comment cela? Eh bien, en triant des lettres, ce jeune homme a remarqué une enveloppe mal fermée qui portait une adresse incomplète. On a ouvert pour voir s'il était possible de compléter cette adresse. Or, l'expéditeur parlait d'un colis mystérieux déposé à la consigne de la gare Saint-Lazare et qui devait partir le lendemain pour l'Amérique. La police a fait des recherches à la consigne et a découvert une malle qui contenait effectivement votre tapisserie. Mais pourquoi les PTT ont-elles alerté la police? Parce que la lettre était signée à elle, ce qui pouvait signifier Arsène Lupin. Arsène Lupin? C'était lui le voleur? Rien de certain, mais il y a tout lieu de le croire. Comme quoi la plus petite négligence peut faire échouer le coup le mieux monté. Entrez. Un monsieur vient d'apporter cette lettre. Merci. Vous permettez? Je vous en prie. Oh, que... Mais qu'est-ce que c'est? Mais lis toi-même, c'est signé Arsène Lupin. Arsène Lupin? Quoi? Non, mais lis! J'avais eu la délicatesse de ne prendre qu'une seule tapisserie. La prochaine fois, je prendrai les 12. Signé Arsène Lupin. Quelle audace! Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il a dû être tellement vexé qu'on lui reprenne la tapisserie volée qu'il fait une colère. Non, attention, il n'est pas homme à menacer pour rien. Allons donc. Mes tapisseries sont destinées à cette maison. Et une fois qu'elles seront pendues au mur du grand salon, je les défie bien de venir les décrocher. Carlos, mon chéri, ces tapisseries vont nous causer beaucoup d'ennuis. Je le sais, je le sens. Il faut nous en débarrasser à n'importe quel prix. Moi, jamais je les vendrai. N'oublie pas que c'est une série de tous chefs-d'œuvre uniques au monde. Notre tranquillité vaut bien quelques tapisseries. Mais enfin, tu n'imagines tout de même pas que je vais me laisser impressionner par ce monsieur Lupin. Dès demain, les tapisseries seront installées dans le grand salon du premier. Non, permettez, colonel. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient, mais devant une telle menace, ma compagnie ne pourra continuer à vous assurer qu'à condition que vous preniez des mesures de sécurité exceptionnelles. Mais je ferai ce qu'il faudra. Je crains que vous ne nous trouviez très exigeants. Mais je suis prêt à tout. M'en parlez, monsieur. Eh bien,
Le mois dernier, vous m'avez fait visiter votre hôtel et je crois me souvenir parfaitement des lieux. Quand on connaît un peu les méthodes d'Arsène Lupin, il y a toute raison de penser que s'il tentait un coup, il s'introduirait par les fenêtres du grand salon qui donne sur la rue du Frénois. C'est par là également qu'il sortirait les tapisseries. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Voilà. Notre première condition serait donc de faire murer ces fenêtres, ainsi que celles du rez-de-chaussée. Vous avez raison, accordé. Celles du rez-de-chaussée, admettons. Mais chérie, pense aux quatre fenêtres qui donnent beaucoup de lumière à notre grand salon. Mais nous en aurons toujours assez, puisqu'il reste encore quatre fenêtres sur le jardin. Oh, mon Dieu, que de complications! Il aurait été si simple de me vendre ce tapisserie. Non, Edith, je t'en prie, plus un mot là-dessus. Il faudrait également qu'aux portes du salon et aux fenêtres donnant sur le jardin soient placés des dispositifs faisant fonctionner en cas d'alerte tout un système de sonnerie et allumant automatiquement toutes les ampoules électriques de l'hôtel. Et cela fait comme vous le décidez. Enfin, une dernière exigence dont vous voudrez bien nous excuser, mais elle me semble indispensable, tout au moins durant quelques mois. Oui, si vous écoutez. Toutes les nuits, deux anciens inspecteurs de police appartenant à notre compagnie monteront la garde dans cet hôtel en effectuant des rondes toutes les heures. C'est excessif. Vous m'en voyez navré, madame, mais ce n'est qu'à ces seules conditions que nous accepterons d'assurer ces 12 tapisseries. Mon mari s'adresse pas à une autre compagnie. Je crains qu'une autre compagnie ne refuse purement et simplement de vous assurer, madame, étant donné les circonstances. Le colonel Sparmiento était trop fier de sa nouvelle acquisition pour ne pas accepter les conditions draconiennes des assureurs. Les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier qui donnaient sur la rue du Frénois furent murées. On installa dans tout l'hôtel un réseau de sonneries. Et sitôt que les 12 tapisseries furent fixées au mur, deux policiers vinrent monter la garde toutes les nuits. Au bout de quelques semaines, Arsène Lupin ne s'étant plus manifesté, le colonel décida enfin de donner une grande soirée pour présenter ses 12 merveilles aux membres de son cercle ainsi qu'aux journalistes, collectionneurs et critiques d'art. Monsieur le conservateur du musée du Louvre, mon colonel. Oh, monsieur le conservateur, comme je suis heureux de vous accueillir. Soyez le bienvenu. Mes hommages, madame. Et savez-vous que, sitôt franchi la grille, on a l'impression de pénétrer dans une prison? J'en suis navré, mais vous, monsieur le conservateur, je sais que vous comprenez mieux que personne mon excès de précaution. Il est vrai que la fugue de la Joconde vient de me donner une sévère leçon. Mmh. Mais dites-moi, ce sont deux inspecteurs de la sûreté qui exigent des cartes d'invitation à l'entrée. Oui, et je vous prie de m'en excuser. Tenez, si vous voulez bien, passe dans le grand salon. Mes tapisseries vous attendent. Ma parole, vous avez fait blinder les portes. Oui, et les volets des fenêtres sont fermés avec des barreaux en fer. Entrez. Non. Oh, colonel, ces tapisseries sont un éblouissement. N'est-ce pas? J'étais sûr que vous les aimeriez. Et elle raconte l'histoire de la conquête d'Angleterre. Oui, j'y retrouve la technique du XVIe siècle. Elles doivent remonter à cette époque, n'est-ce pas? Exactement. Elles ont été commandées par un descendant de Guillaume le Conquérant, Ayan Gosset, le célèbre tisserand d'Arras. Mais où avez-vous déniché ces splendeurs? Et au fond d'un vieux manoir de Bretagne. Entre nous, j'ai fait une affaire excellente. Et laquelle de ces merveilles a été cambriolée? Et je vais vous la montrer. Venez. Tenez, c'est ceci. Oui, elle représente Edith au cou des cygnes, cherchant parmi les morts d'Hastings les cadavres de son bien-aimé Harold, dernier roi saxon. Ah, c'est admirable. Il se dégage de cette scène une tristesse poignante. Regardez cette pauvre femme, son cou se penche comme un lys trop lourd. Est-il rien de plus douloureux que ce profil animé par ce sourire désespéré? Un sourire plein de charme, d'ailleurs. Qui me fait penser au vôtre, chère madame. Ah, n'est-ce pas? Vous aussi l'avez remarqué. Mais mon cher ami, en regardant la finesse des mains, ne dirait-on pas les mains de ma femme? Mais oui. Je vous en prie. Et voyez-vous, monsieur le conservateur, cette ressemblance est tellement frappante que c'est cela qui m'a décidé à l'achat de ces 12 pièces.
D'autant plus que, par une curieuse coïncidence, ma femme et celle de cette tapisserie se prénomment toutes les deux Edith. Eh bien, je souhaite que les analogies s'arrêtent là. Oui, que mon Edith n'est pas comme la pauvre amante de l'histoire à chercher le cadavre de son bien-aimé. Carlos. Oh, mon Dieu, merci. Vous êtes bien vivant. Oui, je n'ai pas envie de mourir. Il n'y a qu'au cas où cette tapisserie disparaîtrait. Alors là, ma foi, je ne répondrai pas d'un coup de tête. Oh, mon chéri. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que... Oh, chéri, l'électricité s'est éteinte. Ne vous affolez pas, ce n'est rien. Ce n'est... Qu'on apporte des bougies. J'ai peur. Au secours. Oh, je vous en prie, ce n'est qu'une panne d'électricité. Ah non, c'est Arsène Lupin. Il va nous tuer. J'ai demandé qu'on apporte des flambeaux. Mon père. La lumière est revenue. Les tapisseries. Oui, les tapisseries. Où... Oh, oh, les tapisseries. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Bien, mes pauvres amis, je peux vous l'avouer maintenant. J'avais bien peur que dans l'obscurité, elles se soient envolées. Ah, et je suis heureux de les retrouver à leur place. Mon colonel, votre femme. Mais oui, elle est évanouie. Mais elle est évanouie. Mais... On étendit la maîtresse de maison sur un canapé, et quand elle eut repris connaissance, les invités quittèrent ces lieux où régnait maintenant une atmosphère de malaise, d'inquiétude et d'angoisse. Quand tout le monde fut parti, les deux policiers et le colonel visitèrent l'hôtel de fond en comble, et n'ayant rien trouvé d'anormal, on finit par admettre que cette alerte n'avait été qu'une mauvaise farce. Le colonel alla se coucher, et toute la nuit, les policiers firent des rondes. Le lendemain matin, l'inspecteur Morel entra dans le grand salon et s'arrêta, horrifié. Oh ! Oh, bon sang ! Rousseau ! Rousseau ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les tapisseries, elles ont disparu ! Qu'est-ce que tu dis ? Oh, c'est pas possible ! Oh, c'est pas possible, ça ! Elles se sont tout de même pas envolées en soufflant dessus ! C'est le coup dur. Faut monter prévenir le colonel. Ouais, moi, je m'en charge pas. Hein. Après tout, c'est toi le chef. Quand il vit le désastre, le colonel resta comme hébété. Mes murs, plus rien. Plus rien. Misérable, vous avez dormi toute la nuit. Non, mon colonel, ça on vous jure. On a fait une tournée toutes les heures. Toutes les heures, vous mentez. Oh, c'est-à-dire qu'on s'est assoupi un peu ce matin de 5h30 à 7h parce qu'il faisait grand jour. Eh oui, c'est pas dans ce temps-là qu'Arsène Lupin fait le coup. Mais voyons, ce n'est pas possible. Toutes les lumières se seraient allumées et on aurait entendu la sonnerie, mon colonel. Non. Et puis les fenêtres sur la rue sont murées. Ah non, je m'en relèverai pas. Oh, voyons, faut pas dire ça, mon colonel. Cette tapisserie était le plus beau joyau de ma collection. Ma vie est finie. Adieu, messieurs. Pourquoi il nous dit adieu ? Je sais pas. Tu trouves pas qu'il avait un drôle d'air ? Ben, il y a de quoi étourdir un gars, tu penses, l'argent que ça représentait, ces 12 machines-là ? Puisqu'il est assuré. C'est vrai, t'as raison. C'est pas une question d'argent. Il est riche comme Crésus. Mais les collectionneurs, vois-tu, c'est des maniaques, et ils tiennent à leur bricole plus qu'à leur vie. Dis donc, il va pas se suicider ? Il faudrait peut-être bien regarder ça de près. Il a dû remonter dans sa chambre. Allons-y en vitesse ! Personne. Tiens, il y a un papier sur le bureau. Ne cherchez pas à me rejoindre. Que ma femme me pardonne le chagrin que je vais lui faire. Jusqu'au dernier moment, son nom sera sur mes lèvres. Oh, nom d'un chien. Et le soir, vers 6h, Madame Sparmiento était appelée à la gare de Ville d'Avray.
Elles furent reçues par le commissaire de police. Madame, je vous remercie d'être venue si vite. L'inspecteur qui est allé vous chercher a dû vous mettre au courant. Oui, commissaire. Bon. Eh bien, je résume les faits. Cet après-midi, à 4h43, très exactement, après le passage du train de Versailles, des employés ont trouvé à la sortie du tunnel le corps d'un homme affreusement mutilé et le visage embouilli. Dans ses poches, il y avait des papiers d'identité au nom du colonel Carlos Sparmiento, né à Lima en 1871. Tenez, les voici. C'est bien cela, n'est-ce pas? Dieu! Maintenant, madame, je vais vous demander d'accomplir un pénible devoir. Reconnaître le corps de votre mari. En aurez-vous la force? Oui. Oui, car je conserve encore l'espoir que ce n'est pas lui, qu'il y a une erreur, que tout cela n'est qu'un cauchemar. Ayez du courage, madame. Venez. Il est ici. Martin, veuillez enlever ce drap. Le reconnaissez-vous, madame? Oh, c'est horrible. Mais il n'y a pas qu'au visage seulement qu'on peut reconnaître quelqu'un. Les vêtements. Oui, ce sont les siens. Et il avait bien sur la main droite cette cicatrice. Oh, il n'y a pas d'erreur, commissaire. C'est lui. Dès le lendemain, M. Verrier, directeur de la compagnie d'assurance La Protection, se rendit au bureau de M. Dudouis, chef de la Sûreté Générale. Il faut avouer que ce cambriolage a été exécuté avec une extraordinaire virtuosité. Oui, vraiment. Nous nous demandons comment les voleurs ont pu franchir la grille d'entrée à l'allée comme au retour sans donner l'éveil. Comment ils ont pu traverser le jardin et planter une échelle dans la plate-bande qui se trouve sous les fenêtres du salon sans laisser la moindre trace. Et puis, il a fallu qu'ils ouvrent les volets et les fenêtres sans faire jouer les lumières et les sonneries. Ça tient du prodige, ça. Êtes-vous sûr de vos deux policiers qui étaient de garde? Comme de moi-même. Faites une enquête sur leur vie privée, vous verrez qu'ils sont d'une moralité au-dessus de tout soupçon. Hein? Entrez. Ganimard. Monsieur. Ah, comme je suis content de vous voir, mon vieux. Inspecteur principal Ganimard. Monsieur Verrier, directeur de la compagnie d'assurance La Protection. Monsieur le directeur. Monsieur l'inspecteur. Alors, Ganimard, bon voyage? Très mauvais. Après le vol du diadème et la disparition de Sonia Krishnov, les preuves irréfutables que m'avait fournies d'anciens complices d'Arsène Lupin m'ont mené jusqu'au bout des Indes. Hein? Et résultat? Chou blanc. J'en suis maintenant à me demander si mon vieil ennemi intime ne m'a pas envoyé là-bas pour que je lui fiche la paix pendant l'affaire des tapisseries. Ah, parce que vous êtes au courant du vol des tapisseries? Oui, je suis arrivé hier soir. Le petit Robert, mon adjoint, est venu me chercher à la gare, il m'a tout raconté. Ganimard, je vais vous mettre sur cette affaire dès demain matin. Avec joie. J'ai un nouveau compte à régler avec Lupin, je vous prie de croire que ça ne doit pas traîner. Et le lendemain matin, Ganimard se présentait à Madame Sparmiento. Je vous promets, madame, de venger votre mari. Puissiez-vous dire vrai, inspecteur? Faites comme vous l'entendrez. Vous êtes le maître ici. Je vais reprendre l'enquête depuis le début. Étudier cet hôtel dans ses moindres détails et je ne le quitterai pas avant d'avoir trouvé la solution de l'énigme. Si cela peut vous être plus commode, inspecteur, je mets une chambre à votre disposition. Ah, j'accepte volontiers, madame, car j'aurai probablement à travailler à différentes heures de la nuit. Ganimard s'installa au rez-de-chaussée de l'hôtel et se livra aux investigations les plus minutieuses, étudiant les lieux, faisant jouer 20 fois, 30 fois chacune des sonneries. 15 jours plus tard, il n'était pas plus avancé. Monsieur Dudouis vint le voir et le surprit devant une multitude de journaux étalés devant lui. Et que cherchez-vous là-dedans? Ah! Il y a une diable d'idée qui me tracasse, chef. Oh,
seulement c'est tellement fou. Mais expliquez-vous. Et l'embêtant, c'est que ça ne s'explique pas. Au contraire, ce que je pressens embrouillerait plutôt les choses. Alors? Ah. Alors, chef, je vous en supplie, ayez encore un peu de patience. Mais si, tout à coup, un jour ou l'autre, je vous téléphonais, il faudrait sauter dans une auto et ne pas perdre une minute. D'accord. En attendant, je pars tout à l'heure pour Lille. Lille? Vous allez là-bas pour voir qui? Le directeur de la morgue. Le lendemain, Ganimard était de retour à Paris. Il se réinstalla dans la chambre que Mme Sparmiento avait mise à sa disposition et de là, vers 9h du soir, il appela M. Dudouis au téléphone. Allô? C'est vous, chef? Bonsoir. Je suis revenu chez Mme Sparmiento. Oui? Arrivé ici tout à l'heure, vers minuit, avec 10 hommes. Je vous attendrai derrière la grille du jardin. C'est moi qui vous ouvrirai, tout le monde dormira. Non, 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 et il n'y a plus que 2 domestiques. Un vieux valet de chambre et une vieille femme de ménage. Le reste du personnel a été licencié. Oui, entendu. Tout à l'heure, chef. Un peu avant minuit, alors que tout dormait, Ganimard alla à la grille. Et à l'arrivée de M. Dudouis, il sortit pour aller poster les hommes à sa convenance. Puis, il fit entrer son chef dans le jardin pour le conduire jusqu'à sa chambre. Alors, Ganimard, allez-vous me dire? Oui, chef. Mais c'est à peine si je peux y croire. Et pourtant, je suis sûr que je ne me trompe pas. De quoi parlez-vous? De la vérité. Naturellement, elle vous paraîtra invraisemblable, mais moi, je sais que c'est la vérité. C'est ça et pas autre chose. Alors, parlez, je vous écoute. Dans le duel que j'ai engagé avec Lupin depuis des années, j'ai toujours eu le dessous. Mais j'ai acquis l'expérience de son jeu. Et aujourd'hui, je connais admirablement sa manière. C'est pourquoi, tout de suite, je me suis posé 2 questions. Premièrement, fin psychologue, Lupin devait sûrement envisager le suicide du colonel Sparmiento comme une conséquence possible de la disparition des tapisseries. Cependant, il a horreur du sang. Et il a tout de même volé les tapisseries. Dame, il y aura au bas mot pour 800 000 francs. Il y a de quoi être tenté. Non, chef. Vous savez aussi bien que moi que même pour des millions, Lupin ne tuera jamais. Il ne voudra même pas être la cause d'une mort, quelle qu'elle soit. Premier point. Deuxièmement, pourquoi ce vacarme, la veille du vol, pendant la réception? Pour effrayer, parbleu. Pour créer autour de l'affaire une atmosphère de terreur. Et finalement, détourner les soupçons d'une vérité qu'on aurait peut-être soupçonnée sans ça. Que voulez-vous dire? Mais chef, que Lupin voulait attirer les soupçons sur lui afin que la personne qui menait l'affaire demeure inconnue. Un complice? Eh oui! Il est certain que les tapisseries n'ont pas pu être volées par quelqu'un qui se serait glissé dans l'hôtel. Donc, elles l'ont été par quelqu'un qui était déjà à l'intérieur et qui y est resté. Hein? Vous croyez? Les 2 policiers qui se tenaient de chaque côté de la porte d'entrée ont pointé 63 invités, aussi bien à l'arrivée qu'au départ. Alors, c'est un domestique? Non. Les 2 policiers? Non. Cependant, puisque le vol a été commis de l'intérieur... Eh bien, chef, j'en suis arrivé à cet axiome ahurissant. Le vol n'a pu être commis qu'avec l'aide d'un complice habitant l'hôtel. Or, il n'y a pas eu de complice. Absurde! Il n'en est pas moins vrai qu'au moment même où je prononçais cette phrase absurde, j'ai commencé à percevoir la vérité. Quoi? Oh, vérité bien obscure, bien incomplète, mais tout de même. Voyons, voyons. Si ce n'est aucun des invités, ni les domestiques, ni les policiers, il ne reste plus personne. Pardon, chef. Il reste quelqu'un. Oh! Mais non, voyons, mais c'est inadmissible. Pourquoi? Mais vous n'allez tout de même pas me dire que le colonel était le complice de Lupin. Je dis que pendant la soirée, le colonel a fait boire aux policiers un champagne pas très catholique. Entre 5h et 7h du matin, pendant qu'il dormait... Il a décroché les tapisseries et il les a fait passer par les fenêtres de sa chambre qui, située au 2e étage, donne sur une rue non surveillée puisque les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier sont murées. Inadmissible. Et pourquoi donc? Parce que si le colonel avait été le complice d'Arsène Lupin, il ne se serait pas tué après avoir réussi son coup. Mais
Mais chef, qui vous dit qu'il s'est tué? Comment? Mais on l'a retrouvé mort. Mais avec Lupin, je vous le répète, il n'y a pas de mort. Mais Madame Sparmiento elle-même l'a reconnu. Je vous attendais là, chef. Vous vous rappelez quand vous êtes venu, je feuilletais les journaux, cherchant si à cette époque il n'y avait pas eu quelque chose se rapportant de près ou de loin à notre affaire. Or, voici ce que j'ai trouvé. Tenez, lisez. À la morgue de Lille, on a constaté hier la disparition du cadavre d'un inconnu qui s'était jeté sous les roues d'un tramway à vapeur. On se perd en conjecture sur cette disparition. Et j'ai appris à Lille que le cadavre avait été enlevé la nuit même où le colonel Sparmiento donnait sa réception. Ce cadavre a été amené en automobile jusqu'à Ville d'Avray, où le colonel l'a revêtu de ses vêtements. Oui, mais alors pourquoi toutes ces complications? Le vol d'une seule tapisserie, sa restitution, puis le vol des 12, pourquoi cette réception et le vacarme des sonneries? Non, allons, Ganimard, votre histoire ne tient pas debout. Quand il s'agit d'Arsène Lupin, chef, il faut justement s'attendre à l'invraisemblable. Étant entendu que cet invraisemblable est en fin de compte d'une logique absolue et d'une simplicité enfantine. Des complices? À quoi bon? Quand il est si commode d'agir soi-même, en personne, de ses propres mains et par ses seuls moyens. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous me chantez? Le mystère est aussi limpide que celui de la Sainte Trinité. Nous sommes en présence de la triple incarnation d'un seul et même individu. Supprimez le mort, il reste Sparmiento et Lupin. Supprimez Sparmiento... Il reste Lupin. Eh oui, il reste Lupin, tout court. Lupin décortiqué de son enveloppe brésilienne, ressuscité d'entre les morts, transformé depuis 6 mois en colonel richissime et collectionneur. Il achète les 12 tapisseries pour une bouchée de pain, combine le vol de l'une d'elles pour attirer l'attention sur lui, Lupin, et la détourner de lui, Sparmiento. Il organise à grand fracas le duel de Lupin contre Sparmiento, épouvante ses invités, et quand tout est à point, vole en tant que Lupin les tapisseries du pseudo-colonel qui, soi-disant, se suicide et disparaît, laissant derrière lui, pour empocher les bénéfices de l'affaire, une veuve faussement inconsolable. Madame Sparmiento? Mais c'est elle qui doit toucher les 800 000 francs de l'assurance. À ce jour, elle a déjà touché 600 000. En réalité, vous savez qui est cette femme? Sonia Krichnoff. Sonia Krichnoff? Mais oui. Cette Russe que mon confrère Pouzet a arrêtée l'an dernier pour l'affaire du diadème et que Lupin a fait fuir. La brune Sonia, métamorphosée en anglaise blonde, est toujours prête à se faire tuer par amour pour Arsène Lupin. En tout cas, c'est une bonne prise. J'ai mieux à vous offrir, chef. Ah? Et quoi donc? La vieille nourrice de Lupin. Victoire? Elle est ici depuis que Madame Sparmiento joue les veuves. C'est la cuisinière. Compliment. Mais j'ai encore mieux à vous offrir. Quoi? Il est là. Qui? Lui. Lupin? Oui. Le domestique, c'est lui. Non! La Sainte Trinité s'est accrue d'un quatrième personnage. Et dites au coup de signe, aurait pu faire des gaffes. La présence du maître était nécessaire, il a eu le culot de revenir. Et depuis bientôt 3 semaines, il assiste à mon enquête et il en surveille les progrès. Vous l'avez reconnu? On ne reconnaît pas Lupin. Il a une science de la transformation qui le rend méconnaissable. Et puis j'étais à 1000 lieues de penser à lui. Mais ce soir, comme j'épiais Sonia dans l'ombre de l'escalier, j'ai entendu Victoire qui parlait au domestique et qui l'appelait mon petit. J'ai tout de suite compris. C'est toujours ainsi qu'elle appelle Lupin. Cette fois, nous le tenons. Il ne peut plus nous échapper. Ni lui, ni les deux femmes. Et où sont-ils? Sonia et Victoire dorment au second et Lupin au troisième. Mais n'est-ce pas précisément par les fenêtres de ces chambres que les tapisseries ont été sorties? Oui. Mais alors, Lupin peut fuir par là, puisque ses fenêtres donnent sur la rue Dufresnoy? Non, chef. Parce que sous ces fenêtres-là, j'ai posté 4 hommes. À la première apparition, ordre de tirer. Vous avez votre revolver? Oui. Et que faites-vous avec cette lampe électrique? Comme convenu, j'appelle 6 de nos hommes. Ah, ils ont vu mon signal. Et voilà. Allons les attendre dans le hall.
À vos ordres, chef. Prenez tous vos revolvers et montons en vitesse jusqu'au grand étage. Ouvrez! Dans la chambre de Victoire non plus. Elles sont en haut, elles ont rejoint Lupin dans sa mansarde. Vite! Ils se sont envolés. Redescendons dans la chambre de Madame Sparmiento. Je voudrais vérifier quelque chose. Tenez, regardez la fenêtre. Elle n'est pas complètement fermée. Parbleu, c'est par là qu'ils sont partis. Comme les tapisseries. Mais on leur est tiré dessus. Ils auront pris la fuite avant que la rue ne soit gardée. Mais chef, ils étaient tous les trois dans leur chambre quand je vous ai téléphoné. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils filent aujourd'hui plutôt que demain. Téléphone. Qu'est-ce qu'il peut appeler à cette heure-ci? Un décroché, vous le verrez bien. Allô? Allô, Ganimard? Oui? Qu'est-ce qui parle? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Ex-colonel, ex-cadavre et ex-larbin. Ben bravo, mon petit père. Tu t'es admirablement débrouillé. Décidément, tu es plus subtil que je ne pensais. Seulement, t'as oublié une chose. Le téléphone de ta chambre communique avec celui de la chambre de Madame Sparmiento. Hein? Or, je m'y trouvais quand tu as demandé à ton chef de venir avec ses hommes. Alors, j'ai tout entendu. Excusez-nous, messieurs, d'être partis avant votre arrivée. À bientôt, Ganimard, je t'embrasse. Oh, vous avez entendu, chef? Ganimard, vous êtes un imbécile. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, édite au coup de cygne. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Georges Hubert, Fernand Fabre, Géo Valry, Clément Béram, René Berriard, Henri Janik, James Olivier, Tania Psorseva, Hélène Mora et Monique Morizzi. Le conteur Louis Ducreux. L'aventure d'Arsène Lupin que vous entendrez vendredi prochain à 21h25 sur cette même chaîne est intitulée « Les Jeux du Soleil ».